En vrai, tu sais que ça fait trop rire, juste le personnage du Mi en vrai. Non mais oui, non mais... Le Mi ne... Ça part direct, ils ont pas le temps. Je jure, il y a aucun des Mi qui est fun. Comment ça, ils vont encore double random? J'ai pas la rêve. Je pense pas là. Non, franchement là, les deux... Non, c'est quand même une meilleure finale, c'est Cash Prize. Il a perdu. C'est Julius, c'est du amateur bracket. Kazam, c'est amateur bracket, ouais. Il a perdu en loser. Alors, je pense que Elfo aime pas ce match-up avec son AP. Ouah, ça check. Ouah, ça fait des checks. Ouais, on va voir avec Wolf. Hein. C'est pas, je pense pas que ce soit un match-up qui va se trapper à Kid, honnêtement. On a l'habitude d'affronter peut-être Joe Orion. Ouais. Même du Netoru dans les jours sombres. Voilà, mais en fait, ce qui fait. Ça s'appelle Smash Bros. Mais le Mi est cosplay en Kid. Ça me fait tellement rire si vous regardez la player cam. Ah ouais, j'avoue. Franchement, il n'y a aucune différence. Et les deux tapent aussi fort l'un que l'autre. Et ça met des phases de fou. Ça met 67% en un up tilt. Ouais, Kid, il est. C'est pourquoi il est là, hein, vraiment. Ouais, par contre. C'est les vacances et compte bien en profiter. On va expliquer cette belle tech chase. Eh, ventre. Elfo sur Wolf, c'est quelque chose aussi, hein. Enfin pour l'instant, bah, ça se passe très bien. Solide, hein. Ça se passe très bien côté Elfo, on met des petits coups de bottine, on met des pénalties et on prend une belle stock et un beau lead. Et on va continuer d'extendre ce lead là avec des grabs, avec des up smash. Des on a plus une stock d'avance, ça fait plaisir. Aïe, ouais, aïe, aïe. Up D. Non, on a réussi à avoir cette dodge. Effectivement, on se prend le mix-up et le back air full space. Et là c'est... Oh, l'armor. On a l'armor. Et là non, on va pas se faire edge guard. Le biffy en légende. Okay, le up smash, on va smash qui va toucher, spot, mais ouais, du mauvais côté. Et là, c'est la D. Ouais. On revient pas. On était obligé de retreat pour pas se prendre ce nerf. Et ok, par contre, back air encore. On a cette hit de jump. Elfo, il a lâché un petit regard, bon. Abuse. Et là, c'est. C'est une game où je pense. Si Kid arrive pas à trouver cette deuxième stock assez early, ouais, on va avoir. Oh, il y avait le missing put, je pense. Il y avait une dash attack, hein, Kid ne suivait pas un smash évidemment. On a un pair, on a un tilt. En vrai, après, Mi Boxer, c'est un perso qui est là pour avoir du reward de ouf, donc ça m'étonnerait pas de trouver un kill très early et remonter cette game. On a des souvenirs de mais lui côté qui... Wolf, ça. Pareil, hein, franchement, on peut très vite avoir un lead. Ouais. Ce forward air qui trade. Oh, le okay, side B. Et le down B, ça tente des burst options un peu au pire. Pourquoi pas finalement. Ah, ça par contre. Ok, il y a un neutral B, ça va tuer. Le neutral B pour éviter d'être en tech chase, c'est assez malin. Et en plus ça tue. Et ouais. En plus ça tue. Côté Elfo, on s'attendait à une tech chase, on était prêt à potentiellement un down smash au ledge je pense. Ou un air. Et à la passe on s'est pris ce neutral B, je connais pas le nom. Deux je crois il s'appelle. Ouais, bien vu. Oh, oh down air. Ça tue! Il s'est fait. Il a 30%! C'est pas son problème! Putain. Il meurt à 30! Oh mon dieu! Ah, Elfo, il se fait avoir! Il se fait avoir là! Dommage! C'est pas agréable, je pense! Ah, il est content, Kid! Hey, il se marre! Ah, je t'ai tué à 30, t'as vu? Bah, ils sont potes, hein! Oui, bien sûr! De bons amis, kiddo! Oh là là, ça met des grosses bastos à Armand sur son flow dans le chat, les gars. C'est pas juste. Lui, il est en winner final, pas vous, voilà. Carrément, t'as zéro flow, ça lui a dit. Ça va, je vais le chercher après le match. On va rapporter un peu. On m'appelle le cafter. Oh, le cafter. Y'a un gars dans le chat, il a dit que t'es pas ouf. Hein. Ok, bon, là, on va trouver cet extend au premier nerf. Par contre, si. Vous pouvez dire que l'outfit a zéro flow si vous voulez. Mais les petites phases qu'il est en train de faire, le petit mi-brawler là. Elles ont du flow, elles ont toujours eu du flow et c'est pas prévu de s'arrêter. Jump, oh, c'était un F-tilt qui aurait pu. Oh, on tente des trucs. Oh, il est vraiment là pour l'abattre. Oh, hein. Ça fait, c'était pas passé loin ça aussi. Je suis cassé en flow. S'en bat les couilles. Appelle-le pendant le set et dis-lui toi-même. On vient sur place plutôt que de regarder dans le chat. Ah, encore un neutral B reverse là. C'est fort ce move. Hein. Ouais, on se fait surprendre 3 fois là déjà. Et cette fois-ci, c'est une stock que ça va coûter. Ouais. Côté Elfo, faut faire gaffe. Et là, Elfo qui non, a pas on le. On a chopé un saut. Oh là là. Mais oh là là. Oh, non, en vrai terrible. En vrai, c'est violent. Et là, il va retenter de faire des douilles. C'est dommage parce qu'en vrai, genre, si cette première game il se l'était pas fait cheese, le set aurait été vraiment différent, je pense. Mais là. Il va prendre up R, il va prendre up B. Ah non, direct B, ok. Ça tue pas. Ouais.
Mais le prochain va faire très peur. On va pas prendre un 3 stock 36% quand même. Non, c'est, non, c'était pas trop, on le sait côté kid. Aïe aïe aïe. Là, oh là là, on a ça. On se prend bon la jab. Fessée du siècle. Voilà, petit F-Smash juste pour dire, hé, abuse. Garçon. Moi, je serais, ouais, franchement, je serais le faux, je donnerais tout pour un kill. Se faire 3 stocks, c'est quitte jamais agréable. Quitte à mettre un side B, tu vois. Ouais, ouais, pareil. Eh, tant pis. Ouais, kid, il attend. Kid, en fait, là, c'est bon. Il sait que dans sa tête, entre guillemets, il a gagné, entre guillemets, évidemment. Hein. Oh là là. Oh, je sais que je joue ma entre gueule. Guillemets. Et alors, peut-être. Elle faut. Bon, là, va falloir être All Might, hein, franchement. Ouais, si là, tu veux gagner ça, c'est. Ouais, faut vraiment être un super héros. Ouais, il s'en bat les couilles, hein. Après, en vrai, il y a pas tant de. Il a rien à perdre. De toute façon, au pire, il prend quoi? Il prend un air, il prend une dash attack. Ouais, en vrai. Okay. Oh, on est. Dommage, on est tombé du ledge. Ok, on va trouver encore un fer. Un deuxième fer. Et là. Bah, Kid, tu vas attendre, il va mettre un up smash ou un down B. S'en bat les couilles, gars. Il est juste là pour la battre. Ah, dommage. Ok, le back air. Ok, on revient sur la plateforme pour essayer de faire le DBZ. Ouais, mais il y en a un qui remonte plus vite que l'autre. Ouais, ouais. Et là, on va catch le. Dommage. B, on va back throw, je pense. Il a une kill throw, le perso. Non, visiblement pas. Zéro. Et le F tilt. Oh, solide. Oh, le spacing était précis. C'était vraiment très très beau. 2-0 Kid. Il a l'air d'en avoir rien à faire, Kid, vraiment. Il est chez lui, c'est le canapé de son salon sur lequel il est, hein, vraiment. On l'a emprunté à ses darons là pour le set, il est comme d'hab. Il a son petit confort, et son petit confort, ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien, tu vois, domicile pour Kid. Ouais. Et là, la pente, ça semble être mission impossible pour Elfo, malheureusement. Reste sur SBF, encore une fois. Et direct, gros side B dans tes dents. Pas peur de ce loup. Moi, ouais, j'ai une coiffure blonde stylée, j'ai une veste très stylée. Je parle pendant le set, hein. Kid, il n'y en a rien à cirer. C'est... Après, Elfo, on sait, hein, il. Voilà, oh, il est capable, hein. La game 1 le montre. Je sais pas si Kid était juste vraiment pas chaud la game 1 ou si c'est juste qu'il était chaud Elfo, mais. On va prendre up tilt, non. J'ai l'impression que si Elfo arrive à trouver ses phases, malheureusement, c'est. Oh, il avait raté son saut. Oh, mais on a le down B. Oh. Et là, malheureusement, c'est terminé. Il y a le saut. Non, il y a le saut. Mon mauvais. Mais ouais, franchement, Elfo, il en est capable. Hein. Il est pas passé loin la game 1. La game 2, c'est un peu plus compliqué, mais pareil, il commençait à revenir. Voilà, cette fois, on se fait pas avoir par la petite douille de Kid. Les tentatives de Kid, vraiment, ça se voit là, il veut son lead, et pourtant, il ne l'aura pas. Hein. Il cherchait des kill moves, il se prendra un back air. Et ouais, c'est Elfo qui trouvera ce premier Elfo kill move. Va-t-il réussir à trouver ses petites phases avant de se prendre un énième kill voilà, move. Voilà, l'up smash, je pense que c'était un missile put. Celui-là n'était pas un missile put côté Kid, c'est... côté Esprit Shonen. On revient à égalité, et tout est à refaire pour Elfo. Tous les efforts ont-ils été voilà, wow, je sais pas s'il a tenté de. Ouais, franchement. J'aurais beaucoup rigolé en vrai. Moi, ça. Ouais, parce qu'en vrai, t'as pas tant à y gagner. Hein. Ils étaient à even % de stock. Waouh. Putain, la musique est éclatée. C'est la pire musique. Et là, on va trouver défaire. Tech chase sur la plateforme. C'est pas une musique de finale. Ouais, wow, on blaster. Ok, on met des petits nages. Et le back air. Tu fais trop peur quand il enregistre vraiment. T'as l'impression qu'à tout moment t'as un petit confirme qui peut repasser. Au final, Elfo a plutôt bien reverse la situation. Ok, le fer. On va pas trouver ce back air. On va consommer l'air dodge. Okay, on va se prendre. Je sais pas si c'est possible de le two frame, mais en tout cas, il a. Ah, je pense qu'il y avait miss input. Ouais. Soit c'est un miss input, soit c'est une grosse hard rip. Ah, il y avait B. Parce qu'il y a aucun moyen que le wolf se retrouve en bas. Bah, si se passe full air dodge. Et là, par contre, en vrai, c'est ce que je disais, s'il se reprend pas la même qu'au début, genre si... Et là, on est proche du kill côté Elfo. Oh, ça tempo aussi, c'est pas bête ça. Oh, le petit, t'es pas passé loin du tout. On va trouver ce up smash côté Kid. Kid qui a deux stocks, putain, j'ai mal vu. Non, my bad. Bah oui. J'ai cru, il était sur sa dernière stock. Et bah, du coup, c'est beaucoup plus difficile en fait. On se rapproche d'un solide 3-0 côté Kid. Ouais, là on va trouver que on le. On devine très bien les intentions de Kid. Hein. C'est d'aller chercher un petit suicide kill. Ok, mais on va trouver ce nerf. Et là c'est du last stock. Hein. Elfo qui doit gagner. Là, il faut faire attention au setup de combo. Ouais, putain, ça je suis sûr j'allais le dire. Ça fait très mal. Hein. Et là la tech chase sur la plateforme, c'est malin. On va chercher des petits falling upper. Ok, c'est punissable on shield. On va Rico tranquillou.
Oh, on a tenté le neutral B. Oh non, dommage, on a raté ce fer. Retourner acrobatique. Et ils se battent dans Smash Bros comme dans la vraie vie. C'est très très beau. Bah vraiment autoritaire hein, cette En vrai, la game 1 n'était pas loin. Malheureusement. Bon, Smash Bros c'est marrant, maintenant il faut dénoncer. Maintenant il faut dénoncer le chat. Ça me fait trop rire alors. Déjà ils arrivent. Ils vont un stream, il fait. En vrai, elle a vu tu mec là-bas, pas ouf. Je vais le dire dans le chat. Imagine, je me mets debout. Oh, claquette short. Doudoun. Claquette short doudoun, les gars. Voilà. Armand, je regarde, t'as des haters de style dans le chat. Hein. À skip.